all'esterno sono tutte uguali, ma all'interno non ce n'è una uguale in sostanza. All'esteriore sono tutte pareille, ma all'interno ciascuna ha la stessa specialità, la specificità. Fondamentalmente questa è pop art del palermitano. Può avere una stratificazione di stili. La stessa cosa in scala monumentale avviene in questi strani edifici dove c'è un mélange enorme. On peut voir que dans un cabanon il peut y avoir des stratifications de matériaux différents et la même chose peut arriver dans les grands monuments où il y a effectivement différents degrés, différentes couches de matériaux différents. Per cui nella stessa chiesa, che è una chiesa cristiana, vengono mantenute strutture architettoniche di tipo arabo, scritture in greco ortodosso, e parti iconografiche in ebraico. Là, je vous remercie, je vous invite à continuer de visiter et de voir les expositions parce que les photos sont très très belles. Per farvi guardare mentre noi mangiamo, ma non sarà così. J'ai dit tout à l'heure en parlant des monuments historiques qu'on peut voir encore en Sicile, et la gastronomie c'est un peu la même histoire. C'est une histoire de croisement, d'héritage différent. La cuisine sicile italienne, c'est le résultat de toutes les cuisines delle regioni italiane. È un sistema estremamente complesso, sia in verticale che in orizzontale, avec une grande importance sociale e aussi gastronomica, bien entendu, parce que c'est le pont entre tout le monde. En Sicile arrivent les oranges, arrivent de l'extrême orient, à travers le Portugal, à part peut-être l'olivier. Il y a rien de la cuisine sicilienne qui est originaire de la Sicile. On a choisi comme titre de cette soirée littérature et gastronomie. Par exemple, on peut parler du célèbre timballo di Maccheroni, qui vous souvenez dans le Gattopardo. J'en profite pour saluer Madame Ottavia Piccolo, qui est une des protagonistes du film Gattopardo. Vuole essere nella Sicilia invece. Che inventa, sì, che trova differenze, che prova a fare cose differenti, e così nasce la cassata di pesce spa. Donc c'est une Sicile qui essaye toujours de faire des choses différentes, des nouveautés, et donc c'est de là qui naisse la cassata de espadone. E allora, dentro questo recipiente che noi chiamiamo cassata, dans cette plat qu'on appelle cassata, andiamo a sistemare il pesce spada. Voilà les spadons. On va placer les spadons. Une fois qu'on a préparé les spadons, ci vorrà un poco di mediterraneo. Il faut mettre un tout petit peu de méditerranée dedans. Questo è un taboulé che è preparato, aromatizzato con del finocchietto di montagna. Ces gamberons ne sont pas des gamberons français. Ils viennent de Mazara del Vallo. La tiriamo fuori e la guardiamo. On la sort, on la regarde. Siamo molto tristi. On est triste. Mandorla e pistacchi. Adesso è un poco meglio. Questa è cotta. C'est là. Questi sono crudi. Ça c'est crudo.